il se dit ces jours-ci que tu as passé tes diplômes d'entraîneur. Peux-tu nous en parler? Alors, je vais parler d'abord des diplômes en eux-mêmes, parce que on galvaude un peu, j'ai passé les diplômes. Effectivement, il y a plusieurs strates, on va dire. Il me manque à valider un diplôme pour être un entraîneur de football professionnel. C'est-à-dire que je pourrais signer dans n'importe quel club, première, deuxième division dans le monde. Je pourrais être sélectionneur, je pourrais signer un contrat sans aucun problème. Et moi, je suis donc à l'étape juste avant qui me permet, alors en France par exemple, d'entraîner jusqu'au niveau national. Ce qui fait que c'est à peu près toute la France moins 40 clubs, c'est déjà pas mal. Ça me permettrait de... Alors au Japon, parce que j'y ai joué, d'être en deuxième division, en Afrique jusqu'en première division. Et c'est déjà pas mal. C'est beaucoup de travail. J'ai passé une année 2015-2016 très difficile. Entre entraîner au quotidien 6 séances par semaine, plus les matchs du week-end, les matchs et déplacements du week-end. Mon activité de consultant pour Canal+, où j'ai commenté régulièrement la Champions League, la Liga. Tout ça fait que je me suis retrouvé à avoir une année très chargée, mais j'ai eu mon diplôme et je suis très fier de cela. Il y a de plus en plus d'Africains qui se mettent à passer les diplômes, mais il faut aller jusqu'au bout. Mais oui, parlant d'Africains qui se mettent de plus en plus à passer les diplômes, quelque chose, M. Lupine, vous, d'origine africaine ou naturalisée français, bref, noir et arabe, vous jouez en France ou dans les grands championnats, à la fin de vos carrières, tous ceux qui dirigent et qui entraînent sont monocolores, et quand je dis monocolores, elle est plus autre que noir. Comment expliquez-vous cela? C'est vrai qu'il y a de rares exceptions. Passy, intérimaire à Marseille. C'est pas certain. Comboiré. Comboiré. À Guingamp. C'est tout. Maintenant, c'est à peu près tout. À l'époque, il y avait Gentil Ghana, mais quand il a fallu lui filer les bleus, c'était une autre affaire. Ouais. Donc, c'est plusieurs d'entre vous. C'est un état de fait. On va pas ne faire que se plaindre. Moi, je dis qu'il faut quand même. Allez, il faut y aller. Ce qui est très, très ennuyant, c'est que je suis arrivé. Alors, c'est un diplôme d'État que j'ai obtenu. Passé en France. Oui, en France. Ce qui est drôle, c'est que il y a quelques années, on me disait passer le diplôme. Ben, aujourd'hui, j'ai envie de dire voilà, j'ai un niveau de diplôme très intéressant. Et pour aller à la dernière phase, il me faut avoir une équipe conséquente. Et je loue mes passages dans les différents clubs où j'ai pu passer mes diplômes. Le Blanc-Mesnil, entraîné par mon frère, le Paris FC. Mais aujourd'hui, il faut qu'on me mette le pied à l'étrier. Ça me permettrait de continuer à évoluer dans ce métier et surtout de passer l'ultime étape. Pour bien comprendre, tout Patrick Mboma que vous êtes, avec la notoriété que vous avez, avec votre passé plutôt riche dans le football français, personne ne va chercher Patrick Mboma pour un petit club, si je comprends bien. Moi, je ne veux pas un petit club, je veux une structure professionnelle. Donc voilà, si c'est pour un petit club, petit club 3e division en France. Je veux une structure professionnelle, 3e division, donc le national, il y a 2-3 clubs qui sont professionnels. Donc voilà, je peux entraîner tous les clubs tant qu'ils ne sont pas professionnels aujourd'hui. C'est pour ça que je disais 40, à peu près 42 ou 43. Mais je peux être très bien être un adjoint, je peux m'occuper des attaquants, je peux être le numéro 2. Je peux être même en Ligue 1, au centre de formation, dans un club de Ligue 1, je peux être au centre de formation, je peux entraîner une équipe réserve, une équipe de U19, une équipe de U17, en numéro 1. Et tant personne n'est allé vous chercher? Je n'ai trouvé pour l'instant personne, on va dire, des choses comme ça. Vous avez évoqué votre frère Alain,
qui était à Villemomble, qui a entraîné au Paris FC. Aujourd'hui, à un moment, il s'est murmuré qu'il était parti pour les États-Unis. Est-ce que c'est vrai? Il était parti pour l'Amérique du Nord, dans l'optique de trouver une place qu'il ne trouvait pas en France, tout simplement. Il parle l'anglais. Il s'est dit qu'il aimait beaucoup les États-Unis. Alors il a cherché entre les États-Unis et le Canada. Il n'a pas trouvé et il se retrouve aujourd'hui avec cet espoir toujours présent, mais à un niveau qu'il a écumé depuis bien bien longtemps, et il mérite une bien meilleure reconnaissance. Alors, il a la reconnaissance, hein, on entend son nom, mais on l'a trop entendu. Faut donner des armes pour qu'il puisse combattre à un autre niveau. Ce qui est curieux dans le cas d'Alain, c'est qu'il a eu des résultats. Il a eu de très bons résultats. Il a eu de très bons résultats et c'est pour ça qu'on disait que sa progression l'amènerait au final à un très bon niveau, voire un niveau, enfin, je veux dire par là un niveau professionnel. Mais il aurait pu aussi avoir un coup de main de par son pays, parce que son niveau de diplôme. Alors moi j'ai réussi à le rattraper parce que j'ai un parcours professionnel qui m'a permis De sauter des étapes. de sauter des étapes. Il y a l'acquis du terrain qui fait qu'on a considéré mon expérience pour me permettre d'avancer plus vite. Mais j'ai quand même pendant 2 ans régulièrement entraîné. J'ai parlé de cette année où j'ai passé quand même 8 semaines au total à Clairefontaine. On a été pris quand même par l'éducation nationale pour réaliser le mémoire de la. Et voilà, ce sont des actions bien concrètes. Je suis devenu un homme de terrain, je veux rester un homme de terrain, mais mon objectif, c'est le niveau professionnel. C'est quand même curieux car avant vous, François Mambic, un autre grand attaquant, avait passé des diplômes. Il a même passé quelque temps à Châteauroux. Et il a fallu qu'il aille chercher son expérience professionnelle au Mexique, dans un club où il était passé. Personne lui en France ne lui avait tendu la main, tout comme Alain Beaumont, tout comme vous. Comment expliquer cela, au fond? Je ne veux pas l'expliquer, je le constate et c'est dommageable, mais je dirais que on a cité 3 Camerounais, il y a beaucoup d'Africains. L'Afrique est grande et riche et a enrichi les terrains des divers championnats de France, mais il n'y a pas eu sur le banc de touche la reconnaissance, le retour de cela. Connaissez-vous Marcel Desailly? Je connais très bien Marcel. A-t-il lui aussi ses diplômes? Marcel a eu ses diplômes à Cardiff. Il a eu ses diplômes. Et lui, par contre, pour en avoir discuté avec lui il y a quelques mois, a décidé de ne pas entraîner. En fait, il s'est retrouvé à dire au moins c'est dans la poche. Et peut-être que il entraînera dans un avenir plus ou moins proche. Mais son idée, même s'il voulait entraîner au départ, c'était d'avoir d'abord son diplôme en poche. Donc lui, il peut à tout moment signer à n'importe quel niveau. Il a complété, validé ses diplômes. Le Ghana ne lui a pas donné l'opportunité de reprendre la sélection. Qu'il C'était souhaitait. ce qu'il souhaitait. C'était en discussion. Ça ne s'est pas fait. Est-ce fort d'un découragement ou non? En tout cas, il a derrière plus réellement cherché. Mais je suis à peu près sûr qu'il doit avoir quand même de bonnes compétences pour pouvoir être reconnu et devoir donner une chance. Mais je sais que aujourd'hui, il ne court pas après cela. Et Patrick Vieira, sa chance lui a été donnée en Angleterre. Sa chance, elle lui a été donnée en Angleterre. Ça, c'est typiquement le genre de parcours que je recherche. Il s'est occupé des jeunes de Manchester City. Aujourd'hui, il est entraîneur d'un club professionnel à New York. Et c'est très bien pour lui. Je suis sûr qu'il aura continuera à avoir des échos positifs et revenir en Europe. Qui sait? Moi, je le vois bien. Arsenal, comme ça, quand Arsène Wenger un jour laissera à la place. Patrick, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes footballeurs d'origine africaine
qui évolue dans le championnat de France aujourd'hui, est-ce que vous leur conseilleriez d'envisager une carrière d'entraîneur après leur carrière de footballeur? Moi, je voudrais qu'on soit de plus en plus nombreux à passer les diplômes, parce qu'à un moment, on se dit que si on pollue, on pollue de notre présence le monde des entraîneurs en France, on finira bien par avoir une chance de donner. Le seul problème, si c'est un problème, c'est que on dira on a filé la place à un black, à un noir, à un africain. Et s'il échoue, c'est comme s'il échouait pour tout le monde. Donc c'est un peu. C'est le sentiment que j'ai. Je ne dirais pas que c'est à double tranchant parce que rien n'est prouvé, mais il faut voir plus que d'un passé, d'un comboiré pour voir ce que deviendra le footballeur africain en règle générale. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oubliée? Savoir si je vais bien, si mes enfants vont bien, mais ça en off on l'a eu, donc non, j'ai rien de masqué, j'ai rien derrière la tête, les choses vont bien, et puis aujourd'hui c'est un temps radieux, donc tout est positif. Et surtout nous savons que en cas de besoin tu es toujours disponible. En cas de besoin je suis toujours disponible. Merci Patrick. Merci Jackie.